Dans son élan de sauver les jeunes filles de la grossesse en milieu scolaire, l'équipe de GAEF Bénin ONG dépose ses valises dans la matinée de ce mercredi 15 novembre 2023 dans une autre école où le même exercice a été répété. À travers les formations dans les différents métiers d'avenir, voilà autant de nombre d'activités, de domaines d'activités que nous intervenons. Donc il existe encore d'autres domaines que l'ONG intervient. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour vous entretenir sur la prévention des grossesses en milieu scolaire et la gestion de l'hygiène menstruelle. Voilà les deux thèmes que nous voulons vous entretenir sur l'après-midi. Au collège d'enseignement général de Koutongbé, ce mercredi matin, les apprenants ont eu le privilège d'être entretenus sur les questions liées à la santé sexuelle. Au cœur des échanges, les élèves sans langue de bois ont posé toutes leurs préoccupations à l'équipe de GAEF Bénin ONG. Des messieurs du rapport sexuel. Mais moi j'ai un ami à l'âge de 21 ans, il n'a jamais il s'est jamais rapproché d'une fille. Et au finish, il est devenu déséquilibre mental. Vu l'importance du thème, GAEF Bénin ONG se dit prête pour apporter les éléments de réponse nécessaires à ses élèves. Aujourd'hui, on a parlé sur les grossesses précoces en milieu scolaire et l'hygiène menstruelle et aussi brièvement de la planification familiale. Et nous sommes venus aussi au jeu Koutongbé pour cette sensibilisation. On les a sensibilisés sur la grossesse précoce et les grossesses non désirées. Et on les a dit, la meilleure méthode pour éviter toute grossesse, c'est l'abstinence sexuelle. Elles doivent s'abstenir. Les filles ainsi que les garçons doivent s'abstenir pour finir leurs études en bonne et due forme et pour réaliser leurs rêves. Ils doivent vraiment s'abstenir. Et on les a parlé des avantages de l'abstinence parce que ça les évite les infections sexuellement transmissibles et aussi le VIH-Sida qui de nos jours sévit vraiment. Donc, au thème de plusieurs heures de projection cinématographique pour faire toucher du doigt les réalités qui restent inconnues de la grande masse au sein de la jeune couche féminine, ces bénéficiaires qui pour la plupart viennent d'acquérir de nouvelles notions pour la première fois à leur sortie apprécient. Je tiens à remercier l'ONC qui est venue se présenter dans notre collège ce matin pour nous sensibiliser sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Tout d'abord, je veux remercier l'ONG de nous avoir d'abord appris à compter nos cycles menstruels et à porter les préservatifs et les couches. Parce que ça, d'abord, moi, je ne savais pas porter, donc ça m'a appris. Ce qu'ils nous ont appris, ça m'a permis de connaître et de mettre en tête que à l'école, et les rapports sexuels, on laisse ça à la maison avant de venir à l'école. Et deuxièmement, ça va m'apprendre, quand je vais rentrer à la maison, je vais aussi sensibiliser mes petits soeurs, parce que j'ai des petits soeurs, et ils vont encore calculer leur cycle, tout là. Donc, ce que j'ai retenu, c'est pour ne pas aller au sexe pour éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Donc c'est tout ce que Maya a retenu. Du côté des enseignants, la satisfaction était aussi grande. Nos impressions sont très bonnes. Ce sont de très bonnes initiatives. Et nous encourageons l'ONG à continuer à pérenniser cette activité, à l'étendre sur d'autres établissements si possible. Parce qu'on ne sait pas si c'est seulement le sujet de Koutongbé qui a été ciblé.
parce que le thème, je crois, ça doit être la gestion de l'hygiène menstruelle et puis la prévention des grossesses en milieu scolaire. C'est un phénomène qui constitue un handicap, surtout pour les jeunes filles. GAEF Bénin ONG n'entend pas s'arrêter en si bon chemin car l'enjeu est de taille.